Donc l'idée, vous l'avez compris, donc n'oubliez pas les hashtags. Très heureux d'être parmi vous. Présentation panorama pendant une petite dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure, qu'on a mené avec l'EBG, donc sur les plateformes autour du social media et de l'engagement. Et ensuite, une table ronde que j'animerai aux côtés des intervenants que vous découvrirez, que vous allez avoir le temps de découvrir plus longuement. Donc, très rapidement, je suis Pascal Malotti, je suis directeur conseil et marketing chez Valtech, la digital agency française, internationale, et on est sur des projets de plateforme. Mon métier, c'est d'accompagner les marques dans la transformation digitale. C'est aussi de travailler sur des projets un peu plus d'innovation, comme de la réalité virtuelle, par exemple, ou bien c'est de travailler sur des disciplines comme le social media, où j'ai accompagné quelques marques françaises, des grands groupes internationaux, à déployer des outils, à faire les bons choix sur les plateformes, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, et ensuite aussi à mettre en place le modèle gouvernance. Alors, si vous pouvez poser des questions de manière assez interactive, normalement elles s'afficheront en haut de mon slider et ça me permettra de pouvoir y répondre de manière contextualisée. Alors, on va démarrer un petit sondage. Faut accéder donc à l'application. Si vous l'avez pas encore utilisée, merci. Si vous l'avez pas encore utilisée, elle se trouve sur ebg.net/networking. Et donc vous allez dans la salle Sovereign et vous verrez directement cette question. Donc on va pas faire le relevé des réponses tout de suite, mais on vous laisse le temps d'y répondre. Voilà, savoir un petit peu si vous êtes dans des projets dont on va discuter maintenant ou pas. Alors, si je reprends la main. Je ne sais pas comment je reprends la main. La première était une introduction évidemment sur les problématiques autour de choix de plateforme. Pour moi, c'est un sujet qui est. Pardon, je reviens un petit peu en arrière. C'est un sujet qui est vraiment transverse à tout type de plateforme, que vous soyez sur des plateformes. J'essaie de revenir derrière, voilà. Non. Pardonnez-moi. Voilà, ça va arriver normalement. Alors, que vous soyez sur des plateformes que vous possédiez en propre, vous êtes les propres owners, ou bien que vous soyez sur des plateformes en modèle SaaS, c'est les plateformes dont on va parler cet après-midi, on a d'une manière générale à peu près toujours les mêmes problématiques qui reviennent. Très souvent, l'erreur que font les marques, c'est de se concentrer sur la technologie, de se dire que c'est un frein insurmontable ou que comme on ne comprend pas grand-chose au sujet, bien ça va être une problématique de fond. Et en réalité, en même temps qu'on choisit la plateforme, il faut se concentrer sur l'organisation. Finalement, quels sont les experts que l'on va mettre autour de cette plateforme? Quel modèle de gouvernance? Qui va participer à la mise en place de cette plateforme? Qui finalement va travailler au quotidien sur cette plateforme? Et quels sont les départements qui vont recevoir au sein d'une entreprise finalement et qui vont bénéficier de ces outils? On le sait, le digital, c'est quelque chose qui transversalise complètement l'organisation. Et on le sait, l'une de vos problématiques dans les organisations que sont les vôtres, très souvent, c'est la siloïsation. Donc, c'est une façon de faire exploser les silos au sein d'une organisation. La maturité digitale, c'est très, très clair. Elle est corrélée à la façon dont vous allez adresser le problème et finalement à la façon et à la maturité avec laquelle vous allez travailler sur ces sujets et aussi au cas d'usage. On va les voir de manière un peu plus précise dans la foulée, mais les cas d'usage et leur complexité sont très souvent liés à la maturité digitale qui est la vôtre. Et enfin, la performance, ben moi j'appelle ça un brief. Chez Ogilvy, on a l'habitude de dire que garbage in, garbage out. En un mot, si le brief est mauvais, en général, ce qui va en ressortir à la fin est très mauvais aussi. Donc, il faut bien travailler sur ces indicateurs de performance, sur ces objectifs finalement qui sont des objectifs souvent stratégiques. Et ensuite, on va rentrer très rapidement dans une logique de marketing opérationnel qui peut parfois même devenir très tactique. Alors, les cas d'usage. On a isolé quatre grandes familles au sein de cette discipline et de l'engagement. La première, on ne la traite pas ici, elle est traitée dans un autre atelier.
Donc, ça signifie qu'il y a une autre partie du benchmark qui classifie ces plateformes, et vous les connaissez sûrement, ce sont des plateformes de listening ou de monitoring, donc des plateformes qui vont crawler les conversations sur vos marques, vos produits, vos services, sur le secteur d'activité sur lequel finalement vous êtes présent, et qui permettent de faire une analyse de la concurrence, de recueillir des informations du marché, de comprendre les attentes des consommateurs, d'identifier des risques de crise. Et très souvent, finalement, on le sait, ce sujet de social media est intervenu et est rentré dans la maison de votre entreprise par le sujet d'une crise, ce qu'on appelle la gestion de crise, la fameuse e-réputation, terme qui est devenu complètement démodé de nos jours. Et puis, on va aussi essayer d'aller identifier des sujets qui sont des sujets de prise de parole, alors qui sont soit liés complètement à votre métier ou des sujets connexes en termes de thématiques. Et enfin, on veut toujours mesurer finalement la performance de cette prise de parole. Il y a un autre élément, et c'est en diagonale, je le fais volontairement dans la lecture, c'est la partie social media marketing qui est complètement associée à l'écoute. Finalement, une fois qu'on a écouté qu'est-ce qu'on veut et qu'on a analysé un petit peu les sujets de conversation et la tonalité aussi, on y reviendra, c'est-à-dire est-ce que les gens disent du bien de vous ou bien du mal, on arrive très rapidement sur l'engagement, qui est souvent là aussi le premier sujet par lequel le social media engagement est rentré dans la maison, qui est votre entreprise, votre marque, c'est-à-dire le community management, la façon dont vous allez parler à vos communautés, l'engagement en termes de création de dialogue, de rebond sur des sujets qui sont à un moment des tendances de marché sur votre secteur d'activité. Donc là aussi, hein, vous les voyez, on le sait, il y a un gros travail sur la structuration de ces influenceurs. De plus en plus, d'ailleurs, on va travailler sur des micro-influenceurs, c'est-à-dire des gens qui ont des audiences assez petites, mais qui sont très affinitaires avec vous. Et ces gens-là ont pour rôle d'amplifier, de créer par cercle concentrique, finalement, des audiences de masse. On est vraiment dans des logiques de reach. Et par rapport à cela, finalement, on travaille ce qu'on appelle le haut du funnel, c'est-à-dire qu'on travaille la notoriété de votre marque. On a du mal dans le social media aujourd'hui à dire si ce que l'on fait quand on se rapproche de la conversion, ça reste très pertinent. Mais on sait que sur ce haut du funnel, on a aujourd'hui des résultats qui peuvent être absolument extraordinaires si on travaille bien son engagement. Et puis, il y a un autre sujet qui est rentré aussi dans la maison, parce que de plus en plus, les utilisateurs changent leur mode de fonctionnement, leurs usages. C'est ce qu'on appelle le social customer care, c'est-à-dire que les gens ont pris l'habitude maintenant de se plaindre sur des plateformes de médias sociaux. Il y a même parfois une présence de marque qui est très très organisée, c'est-à-dire que vous organisez votre social care sur une plateforme qui est dédiée à cela. Et donc, plutôt que de passer par des centres d'appel, maintenant, les gens préfèrent finalement s'épancher, remonter un problème par un compte Twitter, un compte Facebook. Donc là aussi, ça demande une organisation qui est un petit peu plus structurée. On en parlera un peu après, c'est certain, pendant le débat. Mais c'est un sujet qui devient un sujet d'écosystème parce que très souvent, on se retrouve relié à son propre CRM, on se retrouve relié à des helpdesks, on commence à voir des équipes qui sont des équipes de community managers qui vont travailler avec des équipes de centres d'appel et surtout, les problématiques devenant souvent très techniques. Voilà, vous avez un problème technique de tel type dans le monde de, par exemple, des opérateurs mobiles. Ça signifie que vous allez devoir avoir quelqu'un qui va vous donner le conseil dans l'organisation, qui fait qu'un community manager ne peut pas répondre de manière instantanée sur une problématique technique, parce que sinon, ça signifie que vous allez aller droit dans le mur, vous allez apporter la mauvaise réponse. C'est toute cette question qui fait qu'il faut des processus métiers derrière pour être à la fois capable de répondre vite et d'avoir la bonne réponse, la réponse la plus pertinente par rapport à une organisation en place. Et enfin, on la laisse un peu de côté, mais on ne l'oublie pas. Elle est très importante, notamment sur les entreprises qui sont dans une logique B2B ou B2B2C, c'est-à-dire qui ont des réseaux de vente indirects. C'est bien évidemment le social selling. C'est comment aujourd'hui être capable de vendre sur des plateformes de médias sociaux. C'est tout le business de LinkedIn. Et associé à ça, très souvent aussi,
c'est bien évidemment les problématiques RH, les problématiques au sein d'une entreprise. Vous allez créer finalement, de la part de vos propres collaborateurs, une cohorte, non pas d'influenceurs, mais d'ambassadeurs qui sont internes à l'entreprise et qui vont parler au nom de votre entreprise. Alors, les fonctionnalités, hein, sur le listening, encore une fois, c'est abordé ailleurs, mais l'une des vraies problématiques de ces plateformes, évidemment, c'est à la fois d'avoir un crawler qui remonte toutes les conversations à la Google, comme le fait Google, mais sur l'intégralité du web pour Google. C'est évidemment la problématique des langues, donc j'y passe pas trop de temps. C'est toujours des problématiques de dashboard. Ces outils ont toujours, à un moment, des reporting analytiques qui vous permettent de mesurer l'efficacité des actions que vous menez. Donc, on retrouve ces éléments à la fois sur la partie social media marketing et social customer care. Par exemple, sur le social customer care, maintenant, des outils en dashboard permettent de mesurer l'efficacité des équipes qui répondent, c'est-à-dire qu'on ne mesure pas simplement les temps de réponse, on mesure tout le process interne qui va conduire à la bonne réponse et qui va conduire à la résolution d'un cas qui a été remonté par un consommateur. Donc, sur la partie social media marketing aussi, de plus en plus, on voit évidemment l'imbrication entre le community management, c'est-à-dire des personnes qui savent parler, qui utilisent les bons codes de communication sur la plateforme. On ne parle pas sur une plateforme Instagram de la même façon qu'on va engager sur du Snapchat ou bien sur un compte Twitter. Et les traffic managers qui, eux, maintenant, gèrent les campagnes en social ads. Donc là aussi, vous voyez, on parlait de désiloisation au sein d'une organisation. Il y a la nécessité aujourd'hui de parfaitement imbriquer tout ce qui va être croissance organique avec du paid. Donc, ce sont des sujets qui progressivement rentrent au sein d'une marque et qui imposent de plus en plus d'avoir des processus d'organisation parfaitement huilés. J'avance. Juste une petite parenthèse, ça sera traité demain, Social Media Intelligence, demain matin, normalement à 9h30. Merci. Alors, je parlais de désiloisation. On le sait, très souvent encore, vous faites du social, mais de manière un petit peu siloisée. L'objectif, c'est d'ouvrir tout ça et c'est de commencer à utiliser la data sociale dans des modèles de données qui sont plus hétéroclites pour aller vers des analyses qui peuvent être à terme prédictives. Le social media marketing, bien évidemment, c'est toujours le même sujet. C'est comment vous allez finalement parfaitement optimiser votre paid, own et earn. C'est un véritable sujet. Et derrière, c'est comment vous allez contrôler et adapter vos campagnes et dans des logiques qui sont de plus en plus des logiques qui doivent être temps réel. Et enfin, sur le social customer care, la problématique, elle est liée à l'ouverture sur votre CRM. On a des acteurs de plus en plus qui intègrent les plateformes dont on va parler après, comme Sprinklr ou Hootsuite, avec un propre CRM. Et évidemment, avoir une vision la plus holistique possible sur le consommateur. Et évidemment, quand on parle de CRM, on le sait, on commence à tourner, à créer ce cercle vertueux, puisqu'on arrive vers des problématiques plus de DMP et on reboucle avec les problématiques de targeting en social ads. Pardonnez, ça arrive. Alors là aussi, le customer care devient un sujet hyper important. Donc vous le voyez, c'est ce qui m'étonne quand on regarde ces chiffres, c'est finalement le pourcentage de gens qui reçoivent sur une plainte consommateur une réponse. Il y a encore vraiment des marges de gain parmi les acteurs. Évidemment, les secteurs d'activité qui sont cités sont des secteurs d'activité qui ont naturellement une capacité endogène à créer des problématiques. C'est-à-dire, quand vous êtes dans les télécoms, on le sait, ce sont les plus gros réceptacles, pardon, de problématiques techniques. En général, les gens sont très mécontents parce que l'Internet ne fonctionne pas, leur box est déficiente, parce que, pour tout un tas de raisons qui font que vous avez ici des sujets qui font que les gens s'expriment, remontent des problématiques, des sujets qui doivent être traités de plus en plus rapidement.
Aujourd'hui, l'exigence d'un consommateur, c'est l'exigence de Twitter, c'est-à-dire qu'on doit être capable de recevoir des réponses dans les heures qui suivent. C'est l'exigence d'Amazon qui est capable aujourd'hui de livrer un consommateur aux États-Unis dans 40% des cas dans les 2 heures. Donc ça, c'est l'exigence du consommateur. Et vous, votre exigence, finalement, c'est de mettre en place un processus métier pour être capable de répondre dans ces délais. Et je ne parle même pas de la qualité de votre réponse, c'est-à-dire de la capacité que vous avez, vous, à fermer un cas qui a été ouvert sur une plateforme de social media. Donc on le voit, il y a des gains énormes pour satisfaire l'utilisateur final, parce que c'est bien de ça dont on parle, hein. On parle toujours d'expérience consommateur, client, bien, il y en a un cas réel, parce qu'en plus vous êtes sur des cas d'usage où l'utilisateur est mécontent par nature. Maintenant, une vision des plateformes. Alors, on ne va pas rentrer de manière granulaire dans ce que chaque plateforme fait. Ça, c'est votre sujet quand vous lancez un appel d'offres autour du choix d'une plateforme ou quand vous êtes en repitch pour choisir peut-être prolonger la durée de vie de la plateforme avec laquelle vous bossez ou bien changer d'acteur. On voit simplement qu'il y a les fameuses suites intégrées qui sont les grands noms, les grands de l'éditeur, du monde de l'éditeur, c'est-à-dire Adobe, Oracle, Salesforce, on aurait pu ajouter Microsoft, des gens qui, et là je vous le dis en toute transparence, pour avoir mené des projets de benchmark sur ces plateformes en amont pour des marques, n'ont à mes yeux toujours pas fait leurs preuves. C'est-à-dire que soit elles ont intégré des plateformes, et très souvent elles ont désinvesti sur la technologie, ou alors elles ont carrément tué la technologie qu'elles avaient rachetée, ou bien soit on n'arrive toujours pas à rendre lisible la proposition de valeur qu'il y a derrière ces marketing suites très holistiques qui sont censées finalement répondre à tous vos besoins marketing. Et puis évidemment, comme c'est une discipline très récente, vous avez tous ces acteurs qui sont parfois, on appelle ça des best of breed, qui sont des acteurs qui sont nés assez récemment. Alors assez récemment, ce n'est pas hier matin non plus, hein. Certains ont plus de 5 ans d'âge, mais qui sont spécifiquement spécialisés sur la problématique de l'engagement, qui évidemment au cours du temps enrichissent leur périmètre fonctionnel de manière constante, et ça je pense que Sprinklr et Hootsuite vont très précisément le dire rapidement. Et parmi la liste que vous avez, encore une fois, il n'y a absolument pas le même type de périmètre fonctionnel derrière chacune des plateformes. Vous avez des plateformes qui sont très holistiques, vous avez des plateformes qui sont des plateformes beaucoup plus de niche, avec un centre de gravité qui est finalement la capacité à engager une conversation, un dialogue, une réponse, un storytelling avec une marque, avec pardon, des utilisateurs. Bien choisir, alors les agrégats qui reviennent, hein. Alors d'abord, est-ce que vous êtes une marque monde ? Ben, si vous êtes une marque monde, peut-être qu'il va falloir que vous choisissiez un éditeur qui a une présence globale versus des acteurs qui sont parfois plus locaux. Plateforme versus écosystème, est-ce que vous allez choisir la plateforme qui fait tout ou bien est-ce que vous allez plutôt être dans une logique best of breed ? Vous voyez en dessous. Donc en termes de périmètre fonctionnel, on n'est pas du tout sur les mêmes dispositifs. Est-ce que vous êtes sur une plateforme qui va finalement vous imposer un modèle qui va être pris de manière très stratégique ou bien de manière beaucoup plus opérationnelle, le top-down versus bottom-up. Quelle est aussi la part d'intervention sur le paramétrage de la plateforme ou sur la durée de vie de cette utilisation de la plateforme de la part de l'éditeur? On a l'habitude de dire qu'un éditeur, normalement, qui a un bon ratio, c'est 70% sur des coûts de licence et 30% sur du service. Donc là aussi, c'est à vous de vérifier et c'est aussi à vous de vérifier votre autonomie par rapport à votre expertise en interne ou à l'agence qui vous accompagne. Et enfin, derrière, qu'est-ce que vous voulez avoir des processus métiers qui sont automatisés ou manuels? Bien évidemment, on souhaite tous arriver à un moment, à un certain niveau d'automatisation dans les processus. Les bonnes questions, et on en finira là, hein, c'est-à-dire le brief ou la construction du cahier des charges. Bien évidemment, ça va toucher à votre présence sociale, la dimension de votre entreprise, les objectifs stratégiques. Bien là aussi, qu'est-ce qui existe déjà en interne? Est-ce que vous voulez optimiser? Est-ce que vous voulez vraiment franchir de nouveaux paliers?
Derrière, les besoins en formation, c'est hyper important de vous assurer que l'éditeur va bien vous accompagner sur les sessions de training, sur les tutoriels, est-ce qu'il y a une académie, tous ces éléments sont à prendre en compte. La capacité aussi à analyser les retours et puis le budget que vous êtes prêt à consentir. Ces plateformes ont un coût et bien évidemment, les coûts sont récurrents. Et puis, côté éditeur, eux, bien évidemment, et là, c'est plus le périmètre fonctionnel, c'est l'accès à des réseaux sociaux. On revient à des choses très basiques, la capacité à traiter du temps réel, même s'il ne faut pas complètement être obsédé par le temps réel, parce que le temps réel, aujourd'hui, n'existe pas, pas véritablement, pas complètement. Il y a toujours un effet de latence, notamment sur le traitement des données. L'intégration avec d'autres applications, alors on vous dit toujours que c'est faisable par des API, des connecteurs, des web services, mais néanmoins il faut le vérifier, il n'y a que quand on met en place le projet qu'on est capable de vérifier cela. La capacité de reporting, je l'ai dit, les dashboards, c'est très important, qu'est-ce que ça va vous donner, vous allez avoir accès à quoi, et enfin les services annexes. On va ouvrir la table ronde, sauf si vous avez des questions. Donc, je vais inviter à venir me rejoindre Johan, Philippe, Nicolas, Ronny. Je l'ai dit dans le mauvais ordre volontairement. C'est-à-dire que il y avait des marques et des éditeurs. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes les bienvenus. Peut-être juste avant de le démarrer, n'oubliez pas, il y a une petite question qui est disponible sur la web app. Donc vous pouvez répondre à la question de savoir si aujourd'hui vous avez un projet actif sur du social media. On fait un petit tour de table rapide. Johan, je te laisse te présenter. Alors on a une demi-heure, 35 minutes. Ça serait bien qu'on puisse avoir des questions à nos intervenants dans la salle. Donc je vais vous demander d'être concis, si possible. Merci Pascal. Donc, bonjour, je suis Johan Menolit, je dirige Haute Suite sur l'Europe du Sud depuis à peu près 3 ans et demi. Donc je m'occupe de l'ensemble des équipes d'Haute Suite sur la France, la péninsule ibérique et l'Italie. Bonjour, je suis Philippe Safon, je travaille donc pour le groupe ADP qui gère les aéroports de Paris, Orly, Paris Charles de Gaulle et Le Bourget. Je m'occupe des médias et du digital au sens support d'information. Donc ça passe par du bon print traditionnel, le magazine qui est disponible dans nos aéroports, jusqu'au site web et la présence sur les réseaux sociaux, y compris jusqu'en Chine. Bonjour, je m'appelle Nicolas Spi, donc je suis un ancien consultant chez Capgemini Consulting où je travaillais sur des problématiques de transformation, transformation digitale. Il se trouve qu'en tant que consultant, j'ai connu Sprinklr sur des projets très innovants, que j'ai rejoint Sprinklr en juillet dernier pour travailler avec nos principaux clients sur un périmètre européen à la réflexion sur leurs objectifs stratégiques et comment adapter notre plateforme à leurs objectifs stratégiques. D'accord, merci. Ronny. Ronny Sadel, en charge d'une équipe digitale transverse chez BNP Paribas dans le métier de la banque du détail. Et contrairement à toi, je n'ai pas de rôle opérationnel, mais mon équipe soutient les filiales à l'international sur différents sujets, dont le social. D'accord. Alors on va commencer avec une première question aux éditeurs. Nicolas, si tu veux bien démarrer. Et la question, c'est de savoir si vous deviez pitcher face à la salle en quelques mots. Un peu plus quand même. Hein. Quelle est la proposition de valeur qu'offre Sprinklr aujourd'hui au marché? Alors, je peux peut-être commencer par décrire Sprinklr en 3 mots. Tout à fait. Reach, engage, listen. Donc, en 3 mots anglais, ou toucher, écouter et interagir ou engager. Enfin, en quelque sorte, la proposition de valeur de Sprinklr, c'est de fournir une vision holistique du client par du listening, de l'analyse, qui va permettre d'identifier tout un tas de choses autour du client, des tendances, de ce que dit la concurrence, etc. De pouvoir ensuite interagir avec ses clients très facilement via 24 réseaux sociaux et d'autres touchpoints. Et enfin, pouvoir également les atteindre par de l'advertising pour ensuite mesurer l'ensemble des choses et pouvoir optimiser sa stratégie à la fois marketing, customer care, sales, etc. Donc, si je résume bien, par rapport aux 4 patates qu'on montrait, tu me dis que tu couvres absolument l'intégralité du spectre. En tout cas, c'est clairement notre objectif et on le fait avec un certain nombre de grandes entreprises au niveau mondial. Ouais. Très bien.
Johan, toi, si tu devais décrire tout de suite la proposition de valeur, philosophie. Alors, je pense qu'on va se rejoindre dans pas mal d'éléments que Nicolas évoquait. Donc notre, si ça me rassure. Prendre notre mission, c'est finalement d'accompagner les entreprises. Je vais le faire en anglais, mais empower your organization for social. L'enjeu, c'est qu'évidemment, de plus en plus de marques sont organisées au travers de différents départements qui vont sur les réseaux sociaux. Et au niveau opérationnel, on va pouvoir derrière gérer les conversations à la RH pour la marque employeur, à la relation client pour gérer ses demandes clients. Mais l'enjeu, c'est au niveau de l'organisation de pouvoir travailler de façon transverse dans des organisations très souvent décentralisées, où finalement, il faut pouvoir prendre l'ensemble de ces conversations, les transformer en messages pertinents auprès des communautés. Et notre mission, c'est de pouvoir accompagner les marques à organiser l'ensemble de leurs réseaux sociaux, donc les 25 réseaux sociaux qu'on peut évoquer, que ça va de China Weibo en Chine jusqu'à Facebook pour le plus connu, et de pouvoir après définir finalement les bons process pour engager, répondre, optimiser l'ensemble des campagnes pour servir finalement les objectifs métiers de chacun des départements. D'accord. Mais par contre, Johan, on est bien d'accord. Aujourd'hui, tu ne couvres pas la partie social media listening. Tu es vraiment centré sur la notion d'engagement. Alors, on a au sens la plus large du terme. Hein. Très bonne question. En fait, historiquement, on est né dans la partie engagement et publication. Et je vais juste faire un point sur ça. Une spécificité de tout de suite, c'est qu'on est aussi avec un modèle freemium. Donc, une de nos particularités, c'est de pouvoir aussi bien adresser des toutes petites entreprises que des très grands comptes. Et donc, sur la partie listening, on a développé en fait des partenariats au niveau data pour intégrer l'ensemble des grands acteurs du listening, que ce soit Brandwatch, Digimind, Linkfluence, Talkwalker, je ne vais pas tous les citer, parce que pas d'offense pour ceux que j'ai oubliés. On a aussi un module de listening, mais c'est moins notre cœur de business. D'accord. Philippe, quel est le rôle aujourd'hui que jouent dans le mix de la présence digitale de ADP les médias sociaux? Tu peux nous présenter, nous introduire cela? Alors, c'est vraiment une composante complètement intégrée dans le digital. On considère qu'on a des moyens d'information comme le site web, l'application mobile et les réseaux sociaux qui sont vraiment maintenant très développés. À titre d'information, juste pour reprendre un peu d'historique, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, j'étais tout seul et j'ai créé un compte Twitter. Maintenant, quelques années après, il y a deux community managers. On est présent avec deux comptes Twitter, un compte corporate, un compte grand public. Donc on délivre également de l'information vis-à-vis de la presse. Pour nous, c'est super important parce qu'on va voir que ça a changé notre organisation également au niveau des community managers. On gère également, en effet, parfois de l'information sur Twitter comme un peu des communiqués de presse ou des mini-communiqués de presse pour informer des leaders d'opinion et des journalistes qui nous suivent sur ces réseaux. Et puis on a des comptes Facebook par aéroport qui là font du service client. Donc ça veut dire qu'on travaille également avec le service client. Donc c'est un rôle important et majeur dans l'écosystème digital. Et puis demain, je pense qu'on viendra également vers des sujets comme en effet l'e-commerce, puisqu'on va annoncer prochainement des initiatives pour se positionner un peu plus, de façon un peu plus majeure sur le fait d'être un acteur du tourisme. Voilà. D'accord. Depuis quand le social care est rentré de manière importante chez ADP? Alors, le social care, en fait, c'est en cours. D'accord. Parce que ça demande beaucoup de formation, ça demande de la pédagogie et ça demande surtout des tests. Et c'est un des intérêts de l'outil également, c'est de pouvoir tester à blanc, en fait, en gérant le workflow, en gérant des questions, en voyant ce que la personne répond, en lui donnant des commentaires, en validant ou non sa réponse. Donc ça, c'est un grand intérêt de ce type de fonctionnalité. Là, ils sont en formation. C'est des personnes donc, qui tournent pour assurer une présence quasiment 18 heures sur 24. C'est des personnes qui sont à l'aise à l'heure actuelle pour traiter des réponses par mail, mais qui ne sont pas encore forcément à l'aise pour traiter des réponses sur 140 caractères. Et comme on touche également parfois des questions qui sont un peu sensibles, qui ne sont pas forcément très à l'aise pour toucher ces réponses. Donc ça demande beaucoup de temps et de pédagogie. Il faut avoir des community managers qui soient vraiment très orientés et très proches et qui les aident au quotidien. Et ça va se faire progressivement sur cet été et puis jusqu'à la fin de l'année. D'accord. On est chez BNP Paribas. Alors peut-être préciser à quel endroit, parce que c'est une grande maison,
Il y a différents métiers, différents types de services. Donc, quel endroit et le rôle que jouent les médias sociaux dans la stratégie? Je pense que BNP Paribas a toujours été un acteur considéré comme assez en avance sur la prise, alors on va dire l'action sur les médias sociaux. Je me souviens l'avoir assez souvent mis dans des benchmarks en termes de best practice. Chez BNP Paribas, les médias sociaux font partie des canaux historiques. En France, on était la première banque présente sur Twitter, faire du service après-vente sur Twitter. Mais par ailleurs, dans la banque, donc, aujourd'hui, la vision, c'est plutôt l'ensemble des canaux, dont le digital, dont le mobile, dont les médias sociaux. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années dans les usages des médias sociaux. Donc nous, il faut qu'on évolue assez vite avec, parce que quand on commence un peu plus tôt, on porte les mauvaises habitudes un peu plus longtemps que les autres. Donc sur les médias sociaux, on fait toujours du service client aujourd'hui. On construit la marque pour une banque, c'est assez important. Parce que des fois, il y a des sujets qui fâchent autour des banques, notamment en 2008-2009. Il y a les activités des banques pour financement des centrales à charbon, etc. Donc là, il faut qu'on soit extrêmement réactif et ça se passe sur les médias sociaux. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et ensuite, on a aussi les territoires affinitaires, comme le cinéma pour BNP Paribas, comme le tennis, et on a plein d'autres. Donc, pour Hello Bank, c'est la musique en Belgique, c'est la mobilité en France, etc. Donc, selon les territoires, on va utiliser les différents médias sociaux à des fins assez différentes. Mais ça reste un canal très important et sur lequel on souhaite faire plus. C'était la raison pourquoi en 2015, on a commencé à retravailler un petit peu ce qu'on faisait sur les médias sociaux. D'accord. Johan, comment on accompagne un client chez Hootsuite? Un petit peu la stratégie d'accompagnement d'une marque ou des marques? Alors, c'est une question particulièrement clé, parce que je pense qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde ce que les éditeurs peuvent apporter, la technologie est assez mature. L'enjeu, je verrais... plutôt d'avoir des organisations qui sont prêtes à accélérer et à mettre en œuvre finalement de nouveaux process. Donc tout l'enjeu, c'est sur l'organisation. Souvent des débats qu'on a eu en interne, et c'est intéressant de les partager ici, parce qu'on est une boîte canadienne, donc on n'est pas une boîte américaine, mais quand même au Canada, c'est l'Amérique du Nord. Et souvent, le modèle anglo-saxon était un modèle très top-down. Et finalement, quand on regarde la plupart des entreprises en France et en Europe du Sud, c'est souvent des entreprises très décentralisées, plutôt avec des modèles... qui sont à la fois avec une volonté très top-down, mais beaucoup de résistance dans l'opérationnel, dans les BU, dans les métiers. Et finalement, notre approche, c'est très souvent de pouvoir essayer de concilier de la stratégie à 18-24 mois, mais avec de l'opérationnel à 3-6 mois. Et je pense que c'est en ça que souvent, on a un très bon fit avec nos clients dans ce cadre-là, c'est de pouvoir très rapidement se dire, il y a une vision très stratégique, souvent que les entreprises veulent atteindre, mais l'organisation n'est pas prête. Elle est prête parfois au niveau du top management, parfois pas au niveau du mid management, et encore moins au niveau des équipes opérationnelles. Prenez un exemple très simple. Combien d'entreprises, il y a 2 ou 3 ans, avaient formé leurs collaborateurs à qu'est-ce que sont les médias sociaux, c'est quoi Facebook, c'est quoi Twitter, c'est quoi LinkedIn? Quelles sont les entreprises qui ont commencé à essayer d'emmener leurs dirigeants à se lancer sur les réseaux sociaux pour devenir des vrais porte-parole de leur entreprise? Donc c'est des démarches qui sont assez récentes en France par rapport à des marchés anglo-saxons. Donc je pense qu'à titre d'illustration, moi, ça m'est arrivé l'année dernière de coacher une dizaine de directeurs généraux, parfois les patrons du CAC, pour essayer de les accompagner, comme le font les LinkedIn et les Twitter, à se lancer sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est cet enjeu, en tout cas, d'organisation, où finalement, d'abord, il faut définir des process, embarquer l'humain, et après, aller voir l'éditeur. Alors, quand on est éditeur, quel est l'enjeu? C'est aussi dans nos organisations, finalement, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'équipes de consultants qui interviennent en fait dans l'accompagnement, le change management, pour finalement aider à définir un plan 3, 6, 9, 18 mois, de monter en maturité et de travailler finalement d'abord évidemment sur un objectif très stratégique, mais ensuite sur des usages très opérationnels pour que les deux arrivent à se relier et que finalement en cours de route, on ne perde pas les utilisateurs. Donc voilà, c'est en tout cas ce point qui nous a amené très tôt à construire cette équipe chez Hootsuite pour pouvoir accompagner plus stratégiquement le client et aussi à le faire avec notre écosystème. C'est-à-dire que souvent l'enjeu, c'est Hootsuite, vous faites ça, mais on a notre acteur CRM qui fait ci, on a un acteur au niveau content management qui fait encore autre chose.
c'est d'avoir des équipes qui sont capables de travailler en partenariat avec d'autres éditeurs pour finalement essayer de dans la logique d'urbanisation, comme disaient les IT, emmener vers la même trajectoire. D'accord. Nicolas, comment on aborde justement ces facteurs de résistance ou bien ces logiques de géométrie variable dans la façon d'appréhender un projet ? Quand on a justement une vision, alors je ne sais pas si c'est nord-américaine ou américaine, je ne rentrerai pas dans ces débats, ces jugements mais, de valeur, mais quand on a une approche assez holistique. Alors, en effet, on est... Reprends tes mots. On est une entreprise américaine, mais on a pas mal de points communs, je pense, sur l'idée d'accompagner de façon très personnalisée. Et d'ailleurs, dans les projets qu'on réalise, on commence toujours par analyser de façon très détaillée les objectifs stratégiques et opérationnels des entreprises avec lesquelles on travaille. Idéalement, on va travailler avec différents départements, on va les mettre ensemble, on va travailler sous forme de workshop pour mesurer quels seraient les impacts de la mise en place de la solution en termes de people, donc de ressources humaines à mettre en place, de process à éventuellement aménager, et donc de technologies à implémenter. On va partir des objectifs stratégiques, on va travailler sur des parcours clients, des personnels, etc., sur lesquels on va identifier des points de friction. À partir de ces points de friction, on va identifier quels sont les cas d'usage les plus appropriés pour les entreprises avec lesquelles on travaille. Donc ça peut aller de connaître les marchés, connaître les clients, connaître les prospects, ce que font les concurrents, donner les moyens d'interagir facilement avec tous ces acteurs-là, identifier des influenceurs, mesurer et piloter un grand nombre de KPI digital. Là-dessus aussi, on travaille sur des frameworks, des dashboards qui permettent de mesurer les indicateurs au fil du temps. Et en fait, il y a vraiment un travail préparatoire qui est essentiel. Ensuite, une fois qu'on a identifié l'ensemble de ces cas d'usage, on va définir une roadmap qui peut être sur 12, 24, 36 mois pour aller petit à petit vers quelque chose de véritablement customer-centric. C'est-à-dire qu'actuellement, la plupart des entreprises travaillent de façon centralisée, envoient un message vers l'extérieur, mais la plupart ont aussi compris l'intérêt qu'elles ont, voire l'obligation qu'elles ont à devenir customer-centric, à définir leur stratégie autour du client. Et c'est pour ça qu'on aime aussi s'appeler une plateforme de management de l'expérience client, parce qu'on va travailler avec les entreprises sur la roadmap pour arriver à cet objectif. D'accord. En t'écoutant, finalement, je disais que sur toute la partie amont, tu faisais mon boulot. C'est pas par hasard si Sprinklr a recruté des consultants, mais on travaille également avec des sociétés de conseil. D'accord. Valdec, on n'a pas encore eu l'occasion, mais on travaille avec des Deloitte, avec des Accenture, etc. Okay. Pour réfléchir précisément à ces process, à tout ce qu'il faut mettre en place autour de l'implémentation de ces technologies. Il y a des questions de la salle, donc peut-être qu'on peut les prendre et on revient tout de suite à notre débat. Exactement, donc vous pouvez les lire tout en haut. Donc ces plateformes permettent-elles toutes de programmer des posts Instagram ? Donc, ouais, messieurs. Je vous laisse répondre, je vais y répondre à votre place. Alors, je vais répondre pour tout de suite, la réponse est oui. Avec une nuance tout de même, c'est que la politique d'Instagram, c'est que la validation va passer par mobile. Donc on va pouvoir programmer que ce soit en desktop ou mobile sur ou de suite, mais il faudra quand même à un moment avoir un usage sur le mobile pour que ça parte sur Instagram, parce que c'est leur politique. Mmh. Alors, réponse identique, avec les contraintes en effet d'API Instagram, mais ensuite, bon, Instagram, c'est un des réseaux parmi... C'est un peu le réseau star quand même. C'est le réseau star sur certains secteurs, dans certaines industries. Ce ne sera pas le réseau star en Chine, où on travaillera avec tout aussi, avec WeChat, avec Sina Weibo, etc. En Russie, avec VK, au Brésil, avec d'autres, etc. D'accord. Une autre question, peut-être ou La question suivante, c'était quid de NetBase et BrandWatch. Alors, il se trouve que NetBase et BrandWatch se sont positionnés sur la partie Social Media Intelligence, et donc on les verra demain. C'est demain matin. Exactement. Si je ne me trompe point. Autre question, à propos de donc la... Là, on parle plutôt de la segmentation justement des produits qui sont des produits best of breeds et qui ne couvrent pas l'intégralité du spectre qui vous a été présenté dans le panorama introductif. Pardon. À propos de la question sur la programmation de posts Instagram, ici on parle de social media management, incluant le publishing, pas évoqué dans les use cases du benchmark, listening, marketing, customer care. Si, le publishing était dans la partie marketing, on pourra vous remontrer le slide en question. Et en tous les cas, quand la plateforme sera disponible, tous ces use cases et tous les critères seront définis et vous pourrez voir en fait les critères de comparaison entre eux. Oui, alors ces plateformes évidemment intègrent une forme de mini CMS qui permet de programmer comme on le ferait sur une gestion de publication classique sur
vos sites internet ou vos supports mobiles. Donc, on a tout à fait la capacité à faire de la publication avec, là aussi, des workflows, des processus de validation, parfois même la capacité à avoir une base de données qui va contenir des assets visuels ou bien des textes préparés. Donc, tous ces éléments existent bien évidemment. Et en effet, pour continuer là-dessus, on peut en effet automatiser les workflows qui sont derrière, entre les différentes équipes, avec l'idée de casser les silos entre les différents départements. On va pouvoir aussi faire du visual listening. Il y a énormément de choses qui se développent actuellement en termes de technologie. Et donc sur Instagram, réseau Star pour tout ce qui est photographie, on va pouvoir identifier des logos de marque pour pouvoir ensuite les utiliser. C'est ce qu'on appelle les user generated content qu'on va pouvoir réutiliser dans la politique marketing, etc. Il y a certaines marques qui le font extrêmement bien. Okay, juste la dernière, au niveau de Dimelo sur la partie customer care, Dimelo ne s'est pas encore référencé tout simplement, parce qu'on a pris le parti de ne pas répondre à la place des éditeurs. On attend qu'ils le fassent en leur nom, tout simplement pour que d'abord ils nous proposent leurs fonctionnalités, qu'on les vérifie par la suite. Donc c'est le process, mais en tout cas ils nous ont assuré de le faire très rapidement. Et j'ajoute un élément sur la méthodologie de travail de l'EBG, c'est aussi de référencer des acteurs qui ont quand même une présence éprouvée sur le marché français. Parce qu'il y a encore beaucoup d'acteurs, notamment dans le monde anglo-saxon, qui évidemment essaient d'attaquer le marché européen. Très souvent, on va dire que le bastion est pris par Londres, c'est leur première façon d'arriver, mais on n'a pas de références qui sont impactantes ou réelles avec des marques en France. Alors, peut-être juste pour la question, pardon Pascal, en oui. temps, pour être sûr de répondre, OutSuite fait du publishing, est-ce le cas, est-ce dans le benchmark? Alors, OutSuite couvre le publishing, l'engagement, le social care, mais également le social selling ou le programme ambassadeur. Donc on est sur l'ensemble des briques. Et sur le listening, on a un module de listening, mais c'est vrai qu'on a en même temps, parce que la plupart d'entre eux ont déjà investi dans des solutions de listening, on a pris le parti pris aussi de s'intégrer avec la plupart d'entre elles pour pouvoir plus facilement accompagner les marques dans leur développement. Oula, là maintenant ça devient un ping-pong. Je propose juste qu'on revienne ensuite sur les questions. Je voulais quand même pas laisser tomber complètement mes intervenants qui sont là pour évoquer et revenir vers toi, Ronnie, sur... alors, je ne l'ai pas expliqué, mais en fait, vous avez des équipes, là, vous avez des teams. En un mot, une marque qui a choisi OutSuite, une marque qui a choisi Sprinklr. Moi, je voulais justement, Ronnie, que tu nous expliques pourquoi tu as choisi Sprinklr, quels ont été les éléments véritablement, les caractéristiques, les fonctionnalités qui t'ont poussé vers Sprinklr par rapport, j'imagine, à un appel d'offres que tu as conduit avec différents acteurs. Je parle pour la France, donc parce qu'on a choisi Sprinklr en France, globalement BNP Paribas. En tout cas, dans mon domaine, on est plutôt opportuniste et on choisit les plateformes qui correspondent le mieux aux besoins de notre filiale. Donc en France, on a choisi Sprinklr, parce qu'en France, on est assez mature, comme je disais tout à l'heure, on a commencé très tôt. On a beaucoup d'activités et l'objectif principal, c'était casser les fameux silos qui se sont créés en interne entre les équipes de la com qui travaillent la marque et à la limite un peu d'acquisition, les équipes market qui gèrent les campagnes, les publications et la partie customer care. Et donc l'objectif, c'est d'avoir un outil qui puisse couvrir l'ensemble des silos pour les casser, mettre en place des workflows entre les équipes et avoir une gouvernance assez claire entre qui peut faire quoi, etc., pour réduire les risques. Donc Sprinklr nous a accompagnés assez tôt dans le processus, sachant que le point de départ, c'était vraiment une question de gouvernance. On avait décidé de réfléchir un petit peu plus large, et réfléchir avec la France, jusqu'où on voulait aller et qu'est-ce qui était important. Donc on est parti d'un processus assez structuré sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, comment est-ce que ça se positionne par rapport aux objectifs du métier, quels sont les objectifs prioritaires pour l'année qui suit et l'année d'après. On a mis en face les ressources qui existaient et identifié les ressources qui manquaient. Donc ressources, c'est compétences, donc les personnes, les outils et les processus. Et donc on a priorisé des cas d'usage avec Sprinklr et la Banque des détails en France sur comment est-ce qu'on souhaite avancer, notamment avec le listening pour commencer, la mise en place de la gouvernance et des workflows et des tests sur la partie publication. Et il y en a d'autres qui vont suivre sur la partie paid
et le Command Center qui était important pour nous aussi chez Sprinklr. Comme on utilise les médias sociaux assez fréquemment dans des événements internes et externes sur des tweet wars, etc., y a des fonctionnalités qui nous permettent de le projeter assez facilement pendant ces événements-là, et aussi sensibiliser le management pendant les événements à l'importance et l'impact des médias sociaux. Donc ça nous permet de vendre un peu et récupérer les budgets. Quelle durée de vie du projet avec Sprinklr aujourd'hui ? On est en pilote depuis le 8 mars, je crois, le 8 ou le 9 mars. On a commencé la phase de structuration à l'automne l'année dernière sur les use cases, les KPI, la formation des collaborateurs, la repartition des rôles. Les équipes ont passé beaucoup de temps sur les cas d'usage et bien définir les rôles des uns et des autres. Et ensuite, maintenant en test, on fait des revues assez régulières sur les fonctionnalités et les usages. D'accord. Philippe, même question. Même question. Il va nous rester 5 minutes, donc je ne dis pas prenons les canaux et sautons par-dessus bord, mais c'est ça un peu là. Mais la question est qu'il y a quelques années, on a commencé avec un autre éditeur qui est dans le benchmark, qui est Sprout Social. Et puis après, on est passé avec Hootsuite. L'intérêt principal, d'une façon globale, et je ne vais pas faire une différence par rapport à Sprinklr parce que c'est un ensemble global, mais disons qu'on avait besoin de gérer des droits d'administration assez stricts par rapport à des populations, ce qu'elles ont le droit de faire, ce qu'elles n'ont pas le droit de faire, des systèmes de workflow qui étaient suffisamment intelligents pour nous, des systèmes également de, entre guillemets, de génération, de suivi et de suivi de ce que faisaient éventuellement d'autres équipes puisqu'on allait faire monter d'autres équipes. Et puis le dernier point qui est important, c'est que comme on savait que le service clientèle allait devoir traiter ces points-là, on leur a présenté les solutions. Et je pense que le côté user experience, user interface a été également un point sur lequel, moi j'ai envie de dire, je n'avais pas forcément d'avis à donner, mais c'est ceux qui vont l'utiliser ont donné leur avis par rapport à ce qui leur semblait préférable d'utiliser et à ce qui leur semblait plus simple à utiliser. Ce qui est hyper important dans l'adoption en fait, de l'outil qui demain ira sur une population certainement encore plus large. Voilà. Johan, quels sont les chantiers prioritaires dans la roadmap technologique chez Hootsuite ? Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant peut-être pour évoquer ce point-là, c'est qu'on a organisationnellement trois parties maintenant chez Hootsuite. Une partie qui travaillera sur le core product, donc nos équipes qui sont organisées par domaine. Donc on a une équipe sur tout ce qui est développer nos analytics, une équipe sur tout ce qui est développer les éléments de publication et le contenu, une équipe sur les ads, donc ça par domaine au niveau de la R&D. On a une deuxième équipe qui est en fait une équipe qui est dédiée aux relations avec nos partenaires technologiques, c'est-à-dire l'écosystème, tous les connecteurs qu'on développe avec Microsoft, Salesforce, IBM, donc même certains de nos concurrents, mais avec qui on a aussi des connecteurs pour faciliter la vie de nos clients et permettre plus facilement d'intégrer le social dans les autres process. Et depuis 2 ans, on a créé une troisième équipe. J'ai trouvé ça assez étonnant quand on parlait avec mon CEO à l'époque, mais il y a un lab. En fait, donc une équipe vraiment très disruptive pour nous permettre de rester très proche des nouveaux usages, donc qui travaillent aujourd'hui par exemple sur des sujets de réalité augmentée, donc de se projeter demain dans comment on doit déjà penser à Hootsuite dans un cadre où on voit la démarche de Facebook avec Oculus et d'autres, donc commencer à pouvoir emmener l'entreprise dans ce cadre-là. Donc ça, c'est au niveau de notre organisation. Et c'est vrai que le lab a été assez clé pour nous parce qu'on est dans des domaines où au-delà des concurrents qu'on a entre les plateformes, je vais peut-être juste dire un mot là-dessus, mais près de 60% des entreprises en France n'utilisent pas de plateforme, elles vont en natif sur les réseaux sociaux. Oui. Et les réseaux sociaux évoluent très vite. Et en fait, pour nous, c'est comment amener une expérience aussi bonne que ce que quelqu'un a naturellement quand il fait 3W Facebook ou 3W Twitter ou quand il utilise les apps mobiles, mais lui amener toute une couche de services supplémentaires. C'est un peu ça la proposition de valeur qu'on doit apporter. Et donc pour nous, avoir cette équipe lab, c'est une façon de pouvoir être très agile sur de l'innovation, par exemple que sur l'usage mobile. C'est comme ça qu'on a lancé les programmes d'employés ambassadeurs avec des usages ambassadeurs mobiles ou des composants de social selling pour les commerciaux ou des composants pour les dirigeants d'entreprise sur la partie porte-parole. Et donc, voilà, donc ce lab est assez intéressant au-delà de ce qu'on fait sur notre core product.
D'accord. On ne l'a pas dit, c'est vrai, ces plateformes ont une utilité quand vous commencez à industrialiser, évidemment, une présence sur les médias sociaux plutôt que d'attaquer ces plateformes en natif pour pouvoir aussi créer un modèle d'organisation avec des best practices, un partage et donc une progression, une optimisation permanente. Nicolas, même question. C'est quoi les chantiers prioritaires, les axes stratégiques de Sprinklr En conclusion, en deux mots, on était jusqu'à présent une social media management platform, on devient une plateforme de gestion de l'expérience client de façon plus large. Donc vous voulez rentrer dans la partie gauche du tableau ? Absolument. L'idée, c'est vraiment de couvrir une sorte de front office unifié et donc du coup de pouvoir intégrer un maximum de touch points. Donc on va se rapprocher de plus en plus du consommateur final, donc enfin pour l'entreprise, mais on va commencer à développer des applications, travailler sur les chatbots. On a déjà des possibilités de réponses automatisées sur les chatbots. On va pas tarder à avoir des sortes de chatbot builder, enfin de la possibilité de construire facilement des chatbots via la plateforme. On travaille beaucoup aussi sur le fait d'avoir une UI, une interface extrêmement simple pour les utilisateurs. Donc voilà, il y a tout un tas de chantiers qui se lancent. L'idée, c'est vraiment de faire grossir cette plateforme et passer à gauche des colonnes. Johan, deux mots, parce que sinon, on va éteindre la lumière. Oui, alors juste au-delà de la techno, je pense à des points, je vous invite à aller regarder d'ailleurs, parce qu'un des sujets clés pour nous, c'est toute la partie formation et user experience. Donc on a lancé OutSuite Academy, qui est maintenant disponible gratuitement pour tout le monde. Et c'est vrai que stratégiquement, un de nos objectifs, c'est d'aider n'importe quelle entreprise, qu'elle soit plutôt grande, de former ses utilisateurs aux médias sociaux. Donc voilà, au-delà de la techno, apporter ces composantes-là nous paraissait un élément clé. Philippe Erroni, on va terminer par vous, parce que vous êtes finalement les utilisateurs de ces plateformes. Si vous deviez donner un conseil aux personnes dans la salle, ou quelque chose qui vous marque, vous a marqué sur la conduite de ces projets, de ce projet, quel serait-il ? Je vais commencer. Moi, merci. Je pense que le plus important, au-delà de la plateforme, parce qu'on a malgré tout des outils qui sont relativement riches et qui vont se développer, et puis à un moment donné une plateforme qui a un petit peu l'avantage sur tel point, et puis on ne sait pas ce que sera le futur, même si on espère que OutSuite sera toujours en avance par rapport à nos besoins, et ils sont très à l'écoute en tout cas, mais c'est vraiment de recruter des community managers qui soient vraiment à la fois pédagogiques, charismatiques et enthousiastes. Parce que vraiment, pour passer la main à d'autres services, on a vraiment besoin de ce profil de personnes. Je dois avouer que j'ai eu, à un moment donné, une community manager qui n'était pas dans ce profil-là. C'était assez compliqué à gérer. Et là, maintenant, c'est un vrai bonheur, parce que je dirais que c'est des personnes qui sont très appréciées, très reconnues dans l'entreprise et qui arrivent à faire passer la dimension sociale, l'importance des réseaux sociaux et la formation et la pédagogie nécessaires pour que tout le monde appréhende les réseaux sociaux et que ça se développe, y compris jusqu'au PDG qui a son compte personnel maintenant qu'il utilise. Rony, tu vas avoir finalement le mot de la fin dans cette période de débat présidentiel. Je ne suis pas concerné, je ne suis pas français, donc ça va. Pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut garder en tête l'évolution assez rapide des outils. Donc il ne faut pas que l'outil choisi soit une contrainte pour l'organisation, parce que l'outil peut évoluer relativement vite. Nous, on avait fait un petit bench de 36 outils, dont 19 en détail, et on en a priorisé certains. Petit, donc, un beau bench, tu veux dire. On a pris notre temps, c'est important. La deuxième chose, c'est de prendre le temps de réfléchir au cas d'usage prioritaire, pour ne pas se tromper de combat, parce qu'en souvent, en tout cas chez nous, le cri d'alarme, c'était la gouvernance et le travail avec les agences, mais le vrai problème, c'était les silos en interne qui devaient être cassés. D'accord. Et ensuite, c'est ce qui est très important, c'est que l'outil et l'organisation soient assez souples pour s'intégrer avec d'autres outils. Donc on a vu où étaient les médias sociaux aujourd'hui, mais la prochaine étape chez nous, en tout cas, c'est l'intégration avec le CRM. Il faut que ça s'intègre avec les autres outils de relations clients, l'analytics, etc. Donc, je pense qu'il faut, comme tu l'as dit tout à l'heure, bien challenger et tester les prestataires sur la facilité d'ouverture. Et je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'utilisateur de pousser les éditeurs à ne pas créer des écosystèmes trop fermés. Oui,
Le temps des écosystèmes fermés est révolu. Et n'hésitez pas à faire des POC non plus, c'est-à-dire des prototypes avant d'industrialiser les projets. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie très chaleureusement. Voilà. Alors, on a les résultats du sondage, puisque véritablement, on est en période électorale. Donc, des projets finalisés ou en cours, 37%. Nous y réfléchissons, 48,1%. Eh bien, c'est bien, parce qu'il nous reste encore du travail. Sur une 35 répondants. Donc, voilà. Donc, c'est une taille critique. C'est une taille critique. Déjà, je vous remercie à tous les cinq d'être venus, d'avoir témoigné. Merci à vous. Merci beaucoup. Philippe, si j'ai des questions qui n'ont pas été répondues par la salle, on malheureusement, sera malheureusement, ouais. On ne va pas pouvoir parce que le timing... Non, mais on reste à votre disposition. Dans les coulisses. Tout à fait, voilà. Juste 3-4 informations. On a retrouvé une porte de clé blindée noire. Donc, vérifiez vos trousseaux de clé, s'il vous plaît. Deuxième information, on se retrouve à 18h05 au foyer, là où on est arrivé, là où vous avez déposé vos bagages. Pour pouvoir repartir en bus, parce qu'on va direction la Tamise. Il fait pas très chaud dehors, donc pensez à vous couvrir. Et puis la dernière chose, non, voilà, c'est, je pense qu'on a, oui, on vous indiquera toute la marche à suivre, quel bus aller, etc. Quand vous serez au niveau du foyer. Merci encore et profitez bien de la soirée alors. Merci.